好好好 aki undi mana kasare aki undi mana penjanja aki undi mana pene urut aki undi mana kasong pene aki undi mana baye tinji bajuk bajuk fo pitch man jaku player man jaku player man jaku fo pitch man jaku ko jaku e bujuk a ci ko par wi kan jukawi aci nya nian dot wi mé me wi ko tis anangal p watës umé ti ko mënt wulukawun ci citi bu iok bi na mei ko tis afirbu iok na mé ti kalonq méko ti koi njak jokuwi eh, waowi oh, njak jokuink tari bu buiok kati nana jin ni me firat buiuk nana chiba këchi a fir buiuk mjukat mm. tciwon na fur kuita na met kuitaa njiri kaja na, 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 na met ko me na met pa na met ko atchiwulonko ulime guwitentari papu tambandar pëtam ban dër cin pë mobë ti koigëcibi ti pro atari jaka mobëti bujuk i bancibinkë gëntajangwant ni bu bëpaajantëm gëntajangwant ni bëpajantëm o gëtajangwant ni paj bujuk bëntari bul bancibi gëntajangwant ni paj kajaka unyakandër ti man manjaku uakndë unñakandër unñakandër mëntuwi wulii jak win untari pëjot ti ajëk abandi ti utiati ma tini jak mob bujuk bëntari mang'al puwulindu ulemb unce karoko karoko kabakëndë e leson mando ba ulemp ti pli desembre ang bi band ti pli pi chaketii wan ang band ti pthabanton ang band ti p wajenton a roklik want na ro ulemp injendwi chit kat nandoyiwul aujund pinga china pink Ulempu yi wulindu uh, yi ndaro. Awi nu rolat. Chon, plipu bak ndu. Andowul. Mandowul ti bu joku bandu par. Bul joku bandu chivi ni bu Da wintu li rimi doni wulindu. Papu boflu ni ul. Ti u nyaka ndirinja manjaku. Nero chit. Kati nandoyi.

anjen da bofuleni irimi yi ti wutuwa prim wutuwa ci perim pi mepi kijenya uh, na rowi uh, ngo uchiba chum uchi bacum kejabukul ba rowi kuwulu bukul perim utuwa ki hmm? peja ba ng'al bukaro ba ng'alatu bukaro aci utuwa wa wow. wo ng'al mawulini krim keteb pi kaja pebi biyei pirim pi utu du, du, du bofulem pul ti unyakendir ma jaku ti prim u twa pöbi roanduba duba prim pe tabanten aci pro balon kaja pedo pro o oh, pedo ujen an ci tien, ne picambut ti jara ki mekun koka a twa pa

da Ro tebron ka wimbot olémpun daéja nui, Winné hun da ran der Raul ka pure put tenul nä a war netlongge Chiikag oikkesat, a Chike kom leng. bo che bo. Jkrit ja kajo Bu Komtari o o uh, Yakannder O kan deri, Gekatiti irim ejaëti pa pu patun. pe patiul, prim, ue pe patiul unu ti plomb plant. Ma azi a caiebr unu ti manjaku, azi a cuva azi a caru parar plant franse, ca pati ierimi France. ti plant Prim, pe cea ca aia urieb, au ca indiamant, o, indiamant pe care aia plomb, plomb, tivi. plant manjaku cu aia udieb, india urieb, ane india udieb, a ce tu lole. Mato, achi urebment aci gicimtu aci gicimtu gacigi ti ulf Au auci ti walu buchunka bucunka uh, ulief aberno miesat amka nguko, uh, nguko ti pnyakna gko gko timajakugale igi ulf igiulf kajaku in im uh, incimto incimtu imuntuyu in ureeb

puwayer puwayer kaku cibut ti ba mete uliaf pu wayer bajaka paro prin punyana to wuwafiny aciu lole ama ti uliaf nyanawi acirwul ge tob akawwafiny uciwi ti kanya kamai abetulkokabet bia betmun ocii tobrin okanoija nguwafiny wuwafiny ngu wafiny ok ka 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 lek ka kajara karil uwafun kalekkajara kamay nguwafuny yankry prinp pajenten ips ipes acibut icimtu iciiti ulef nianajin ceti nianjin ngalok ingëjar atibut akajar a ipes mba jaka mbajakapar

Pu pob ó pu pubu Ba pa tfal yra ti pa tfal ja ka patul te klenti ki tabu ki uit yen kri Pri Washington Kapus ka wek Gla nga ña kan ti kapus ka tanbi Man ka kapus ka wek ku ki kapus ka wek tu tamambu ka yo kapus ka yk ka yk. Kapeskayak. Ba ti w bok, ti w lund. Kapeskayak. Ha? Ni ti uh, utam, ni u uh, lakas, u se, u uh, kwa un, u um, yo, kapeskayak. Kapeskayak. Ok? E, uh, mbaya keparar, prem pou asenten ne plon. Pou goue. Pou goue. pugu tuulun kudaka pubuku pubuku ati aaa uh, kankimtu kankikiti ulefi nya o o ee uh, uh, kè pàcàti mléntomo e wa pugu naan la n kaa bncàm atijj wàllu tena nui wutia wala wana ko te nui koyi koyi mbent bati pi vanui ti mɛte uli af uncaam kati yang ne ogu kanku ne eolokoo utena ti ku gu ah koyi uplente nja upiva na nja. ok prim paul pi untaja. Uyekar, uyekar uyëkar o uyekar udieb Uyekar udieb o uyëkar urieb a paceink uban lon këban sina cunkan e për une uh, muim bangë nyatel ci ulek uyëkar uriebu ane mnetank

comme pàccɛŋ ti plante france au pàccetitì plante au yéngris tí yom bìtìm mba par exemple tuwa mii mu fokk mu fokk wut àt cii concire mɛti bee nyaan na jin ah ba tí yoon kɔm u pàccɛŋ ti plante france au pàccetitì au yéngris mba kaka tuwamana karroko ki njɛndi ki inafii pro procold hm procold tí yoon wàn di yàgg k i k i. Kè yi choun katan i bat? Kè yi. Kè yi. Katan i bat. Karoko kaba akenden. Da bofleni yi rim yi ti primu tua. Pibi. Pro. Pibi akiba. Kè ya ti pro ou pido. Kè. Kè pati wot kalente. Bi ou jaka bi. Ti wal ka bofleni rim. Haan. primtua yo jaka ja baba kata si plant manjako in kawuhopo picha ni ti ititi min in bad ki picha ni iti ititi min dpo fin ka gi kapok kway pi pan kata pok ruot kujaka widiyooka walo bandi upiva ne ka widooka walo bande tiende ti iny ulempi ni innyibujukk begi chinanaving na te yo baneta biki mebut du lent banña pibambukul bi bakabi pëtëp utti youtube internet ti youtube papëpicanitumkul bukabof bujuk bijakëjuku bink buka bof bël ninja upepwarenja ti kander manjaku ŋal kanatënta ti manjaku mba kawite kalent bujuk bi ti plente france on jɛr do barana cindika lonni cinde perna saju problemi ni cindija nul corona baya unde lilan, lilane ba on de clentin de ruka chipa chikinin ha on kachaknenin ne koy ndu rawi popi bankuma da ngalbo kambi ne euh euh nul ou pa mntiyana panna ni u la implementi amou pa kanonja upa corona baya ko dilane tu yu was

Anji uh, metu urola bi war. Ma menju kupute. Bo ni chinja o pas nda ka utanul uh, no nakso but mobti ngichul, ne no kamann mot no tambandurti o lampi na chino ni ningo kongi no rongi guarol chu ko ja kinandaru ni na sebati uh, ka antar lu buga uh, ngi chul bi uh, na sebati bi ja panul al ja natanta ru ko ti te blombias ulil bati Voilà, chers apprentis, chers étudiants et étudiantes. Nous voici de retour encore donc, pour continuer notre apprentissage de la langue manjaku à l'écrit. Aujourd'hui, nous entamons la leçon 36, qui en manjaku se dit Boudjouk, ni paye. BUDJUK NGEN TAJ NGUANT NI PAJ ou BUDJUK NGEN TAJ NGUANT NI c'est-à-dire 36e leçon et cette leçon est intitulée UNYAKENDER en français ça donne VOCABULAIRE VOCABULAIRE UNYAKENDER c'est plein tu l'inglis VOCABULARY VOCABULARY ça veut dire

je voudrais vous donner du travail à faire, un exercice, l'exercice 4, ou l'exercice numéro 4. Et cet exercice, j'attends de vous que vous le fassiez. Vous voyez, au mois de décembre, je vous avais donné un exercice à faire, quelques six ou sept verbes à conjuguer. Et personne ne l'a fait. Depuis le mois de décembre, on a eu janvier, février, mars. Jusqu'à ce mois-ci, le mois d'avril. J'étais obligé, en, dé, en début de ce mois d'avril, euh, de faire le travail que je vous ai demandé à chacune et à chacun. Je l'ai fait dans la leçon précédente, la leçon 35. Euh, les mots que j'avais laissés, je les ai faits, je les ai euh, conjugués euh, parmi euh, d'autres euh, verbes, hein, parmi d'autres verbes que nous avons conjugués dans la leçon précédente, numéro 35. Mais cette fois-ci, je vous donne encore un exercice à faire, et voilà, c'est dit daboflani irimi ti toi, qui veut dire conjuguer ces verbes à l'impératif. Et ces verbes, s'agit de pubi le verbe pubi et le verbe pro. Certains disent poudon. Donc, ces deux verbes, vous conjuguez cela à l'impératif, celui-ci, pubi, et ensuite vous passez à pro ou poudon, et vous le conjuguez. Parce que là, c'est quand même étonnant et quand même fatigant aussi de ne pas euh, m'aider à comprendre votre niveau. Où est-ce que vous êtes arrivé dans l'instruction? Afin de mieux vous aider, je vous donne du travail et si vous, le, vous continuez à ne pas le faire, euh, ce n'est pas encourageant du tout. On a plein de choses à dire hein, dans les leçons. il y a des leçons qui viendront leçons sur les prépositions qu'on doit voir, leçon les, qu les leçons sur des conjonctions qu'on doit voir la leçon sur la phrase négative ou les phrases négatives en français, les phrases affirmatives en français, euh, les questions, une phrase qui vient comme question, c'est des leçons à part. Mais avant d'arriver à ces leçons, nous voulons, prochainement, dès qu'on revient, nous allons continuer notre conjugaison où on n'avait pas encore touché le passé lointain et le futur lointain. Parce qu'on attendait de finir le présent. Et l'impératif. Primo toi, l'impératif. Et là, on a fini. On a fait du vocabulaire. On a fait euh, euh, beaucoup de vocabulaire et des exercices. Maintenant, nous devons revenir et attaquer le passé lointain. Et, et dès qu'on finit ça, on va au futur lointain. C'est là où on verra les auxiliaires à Mandjaku pour pouvoir faire la conjugaison de ces, de ces deux, 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 deux temps-là. Bon, deux temps. Hein? Ça, c'est au moment du passé, mais le passé est lointain. Et au moment du futur, le futur lointain. Vous voyez, le passé, c'est du wal taql wal tackle. Le futur, Wal-Fan. Wal-Fan. Ça, c'est le futur. Le présent, Wal-Ntandi. Wal-Ntandi. Ou bien Ntari. Mais Ntari vient de Ntandi. Ça, c'est le temps présent. Et donc, euh, nous reviendrons pour faire ça. Ce qui veut dire, s'il vous plaît, j'attends de vous de faire cet exercice. Et là, l'explication donnée, nous allons passer à la leçon elle-même, la leçon de ce jour qui est Unyakander, comme nous l'avons dit. Il y a ici quelques, quelques mots de vocabulaire que nous allons expliquer dans d'autres langues, le français et l'anglais. Le premier mot, le mot 1, Ourieb, d'autres disent oudiab, oudiab, C'est pareil. Our, ou Oud. Ourieb, ou oh, oh, euh, D'autres même disent oureb, oureb, ou Lucas, Ourieb. Hein? Ourieb, oh, ou ou diab, C'est plein de France. Donc en français, ça donne le foi. Le foi. Ce n'est pas la foi qui est le fait de croire. Parce que la foi, il n'y a pas E à la fin. Mais le foi, c'est un organe qui est dans le corps humain. C'est pourquoi on dit ou 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 Le foie. En anglais, liver. The liver. The liver. Tu peux dire liver, tout court. Dans l'article, souvent en anglais, euh, c'est permis et même plus facile de faire comme ça. Et ensuite, le deuxième mot, Kapuskatumbi. Euh, en français, c'est la vessie. La vessie, une vessie. Kapuskatumbi. Donc, ça veut dire l'instinct par, par lequel déféquer ou voilà, hein, déféquer par lequel déféquer. Déféquer, ça se dit. Hein? Hein? Faire sortir les déchets. Ouais? Ce qui n'est pas bon pour l'organisme. Kaposkatembi, c'est la vessie. En anglais, bladder. 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 Troisième mot. Kayekar. Kayekar, en français, c'est la vésicule biliaire. La vésicule biliaire. En anglais, gallbladder. Gall bladder. Gall bladder. Ça, c'est en anglais. Quatrième mot. c'est le pancréas. Le pancréas. En anglais, pancreas 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 Ah oh ça ben, ressemble. Mais on sait d'où ça vient. Hein? C'est pourquoi chacun se, se début là pour euh, répéter euh, un mot qui vient d'ailleurs cinquième mot wafungi wafungi c'est le poumon ngu c'est les poumons parce que chaque personne a deux poumons poumon droit poumon gauche hein, ils sont là euh, euh, voilà euh, ensemble et, et à tous deux poumons on dit les poumons ngu un seul poumon, c'est ouafoueng. le poumon. En anglais, langue, lungs, Langue, lungs, Langue, lungs. Ok Sixième mot, hippos. Hippos, c'est les intestins. Les intestins. Et vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a parlé de capus katumbi, on a dit que c'est un seul, un singulier. Hippos, c'est le pluriel. Les intestins. En anglais intestines, intestines. Les intestins. Intestines. Le septième mot. Pitchafel". Pitchafel, en français l'estomac, l'estomac. En anglais stomach, stomach. Ça. chaal ma ok ko ka nyaka popob to ootam ke jo pop utam obok popoob ti nde ma tu ludo popo yampa na ti ee uruwar mmhm dwar o dwar yampa na popobo popo popo achi tu loyo to Hein, tu le ventre en français. En français, c'est le ventre. En anglais, belly. The belly. The belly. Pour le ou Pour le de Il faut dire. Pour le pauvre. Pour le pauvre. Pour le pauvre. Pour le pauvre. Mais quand on dit pour je pauvre. On dit pour le pauvre. Ou pour c'est le ventre. Et on ne dit plus euh, 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 le, la diphtongue. Là. La diphtongue euh, a été élidée. Elle a chuté, elle, elle, elle est partie. Ok. Huitième mot. Kapus kawiak. littéralement, veut dire le gros intestin. Mais ce kapus c'est le colon transverse. Le colon transverse ou le gros intestin. To English, the transverse colon. The transverse colon. Colon. The transverse colon. Petit, euh, toujours organe, dans l'organe du, euh, du corps humain, nous avons ce qu'on appelle Pugou. Cet organe, le cœur, pas le cœur en tant que. Non-organe, mais c'est l'organe. Quand on coupe et quand on va lire certains présages hein, ou certaines situations, il y a une lecture que l'on fait aussi, que certains sont habilités à le faire au niveau traditionnel, au niveau de la spiritualité. Je ne parle pas de religion, puisqu'on n'a pas de religion. On n'a que faire de religion, mais on a la spiritualité. Il y a pour d'autres disent pour beaucoup. Pour beaucoup, surtout en ou Lund, c'est le cœur. Je parle de l'organe. Pas hein? que je vois, euh, je suis un homme et je vois une belle dame, et puis euh, mon cœur euh, manifeste une certaine joie euh, euh, qui me pousse à aller euh, euh, faire connaissance avec cette personne euh, en vue de, de l'épouser. Hein? C'est une bonne chose, hein? épouser. Hein? Épouser, c'est toujours magnifique. Hein? C'est une grande fête, n'est-ce pas Voilà. Donc, mais ce n'est pas ce cœur-là, je parle de l'organe. Bien. Euh, parce que l'autre cœur, parfois, il a le sens et du cœur siège de émo des émotions et aussi ça peut signifier l'âme. Le deuxième sens, c'est l'âme. Mais il y a un mot à part à Manjaku pour, pour dire âme. L'âme, l'âme. Il y a un mot à part, euh, pas forcément le mot ouas, qu'on appelle, et en dialecte ouyou, on dit ouek. Non, mais je ne parle pas de cela. Je parle de pour pour, goût, hein, pour beaucoup. C'est le cœur. Euh, en langue anglaise, c'est heart, 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 le cœur, pougoua. Dixième mot, oui RIEB, DIAB. En français, hépatite B. Quand vous allez au centre médical, au dispensaire, à l'hôpital, et que le médecin, le docteur, vous pose la question, l'infirmière, l'infirmière, sur ça, l'hépatite B, il s'agit de, à euh, Mandjaku, WIYAKARU RIEB, karou DIAB.

Une dièmme, tu plaintes, Mandjaku. Betim, oh, Betim, tu plaintes euh, en français. Bon, donc ici d'abord, euh, le mot Betim, dans certains dialectes, ils disent Betim. Donc c'est n'est pas diphtongue, on met pas de diphtongue, mais on, on allonge le i, le son i, donc double voyelle. Et en français, les parties génitales. C'est ça, Betim les parties génitales, ou si vous voulez, les organes génitaux. Mais disons les parties génitales, euh, en anglais, the genitals, the genitals. Donc B'tim, euh maintenant, le deuxième sens de ce mot, c'est l'habillement. Quand on dit B'tim, on parle de l'habillement. Mais on habille quoi C'est-à-dire on habille la chose essentielle à habiller qui n'est pas exposé. C'est pourquoi ils ont le même mot, le même mot. qu'on parle de l'habillement, parfois le torse même, le torse de la personne peut être nu. Mais les parties génitales, c'est ça l'essentiel. Depuis l'aube de l'humanité, qu'est-ce qu'on couvre On couvre, butim, on couvre les parties génitales. Et c'est pourquoi le nom. Hein, de ces parties-là, c'est déteint sur le vocable même. On dit betim. Dans le sens premier de betim, et c'est pourquoi l'habillement, quand tu es là, tu fais check-down, ou bien tu portes un pantalon et on dirait qu'il tombe, il faut montrer des parties génitales, ça ne va pas. Ça ne va pas dans la tête. Ça ne va pas. Ça, c'est pas de l'éducation. Il faut que ce soit correctement, c'est-à-dire tu couvres les parties génitales. si tu es un homme, c'est que les parties génitales d'un homme, si tu es une femme, les parties génitales d'une femme, c'est quoi Et tout cela doit être couvert. C'est ça, btm ou btm. Les parties génitales, et si vous allez au centre médical, à l'hôpital, vous êtes devant un agent médical qui vous pose la question. Par rapport à cela, euh, nous, pas parler des parties génitales. Vous dites, butim. Vous ne dites pas, c'est pas comment je vais le dire, est-ce que je vais... Euh, non, il t'a dit les parties génitales. Et les parties génitales, euh, c'est un mot et pour les hommes et pour les femmes, et pour les femmes et pour les hommes. OK? C'est bon? Et... Là, j'ai ajouté un mot, m'fouk. M'fouk, ça se trouve dans, dans la tête. Hein? Ce n'est pas des pensées, hein, mais c'est le cerveau. En français, c'est le cerveau. En anglais, brain. Brain, brain, brain. brain. M'fouk, le cerveau, brain. Ok. Il y a que i, katen Que i, C'est là à ne pas oublier. Amen. à une remarque vraiment. C'est par rapport à Karoko Kabakenden. Hein? Karoko Kabakenden. Et je rappelle, lani irimiyi ti toi C'est-à-dire, conjuguer ces mots, ou ces logos, hein? ces verbes, ces mots, c'est logos, pas, hein? logos, c'est le verbe, c'est la parole, euh, voilà, c'est le mot, la parole. Donc, conjuguer ces verbes à l'impératif. Tu si prime ou toi. Hein, à l'impératif. C'est un ordre. Et voilà, je vous ai laissé deux mots. C'est un rappel. Pubi, qui veut dire venir. Pron, oh, qui veut dire faire. Ne faites pas comme euh, l'exercice dernier, numéro 3, que je vous ai demandé de faire. Vous ne l'avez pas fait. Faites-le. Faites, faites celui-ci. Il y a que deux verbes. Le verbe pubi et le verbe pour ou bien pour don. Et voilà la fin de la leçon euh, d'aujourd'hui, la leçon numéro 36, où il y a kender, qui veut dire le vocabulaire, et en anglais vocabulary. Et tout ceci, c'est des propositions que je fais, que je fais à chacune et à chacun de nous, nous du peuple Mandiakou, kander Mandiakou. Je fais des propositions euh, suite à mes recherches et j'attends aussi un retour de chacune et de chacun pour qu'ensemble nous portions notre peuple ensemble et la langue et notre patrimoine pour que nous allions de l'avant que nous ne soyons pas délaissés hein, délaissés pour compte mais que dans ce mouvement de course vers le savoir nous y allons il y a plein de choses encore à venir si vous le voulez bien que nous fassions euh, euh, route ensemble que nous cheminions euh, euh, que nous cheminions ensemble euh, pour aller loin, 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 et qu'on ait des retombées positives et pour nous-mêmes et pour les générations à venir. N'oubliez pas de vous inscrire. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, inscrivez-vous. La petite équipe, écrivez vos noms, abonnez-vous et cliquez la cloche. Hein? Ou le et aussi le pouce tourné vers le haut pour que à chaque nouvelle vidéo vous soyez informé et voilà et pour le et, et, et en parler autour de vous euh, loin de vous euh, pourquoi pas pour amener plein d'autres personnes à s'abonner à s'inscrire et à prendre part ensemble à cet enseignement qui est apprendre notre langue par l'écrit la langue Mandjaku à l'écrit mais ce ne sera pas que l'écrit, puisqu'on va voir d'autres choses ensemble, on va augmenter euh, notre savoir, notre connaissance là-dessus. À Mandiakou, il y a des mots. Le mot savoir existe, le mot euh, connaissance existe, le mot sagesse existe, le mot savant existe. Tous ces mots-là, progressivement, on va les mettre sur le tableau et on va enrichir Onyakander Manjaku le vocabulaire manjaku Voilà. Et pour euh, euh, seulement vous dire qu'à partir de là, nous remercions notre caméraman Karona Baya qui, à partir de cette leçon, ben, ben, on va euh, le remercier et le laisser vaquer à ses propres occupations. Il nous a beaucoup aidé en filmant les cours et en les mettant en ligne. Mais euh, d'autre part... Euh, il n'y a pas tellement d'encouragement de la part de, 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 des apprenants, des étudiantes et étudiants, pour euh, euh, participer euh, dans les commentaires et dans les pouces qu'ils cliquent, euh, surtout les commentaires. On n'attend pas de retour. Ce n'est pas encourageant. Donc, euh, nous allons le, le remercier à, donc, afin que. Dans, prochainement si je reviens puisque le temps que vous réagissiez et on verra euh, comment faire pour que moi-même je me filme euh, tout seul et, et essayer de continuer euh, euh, clopin clopin, hein, euh, voilà euh, et ainsi aller euh, ensemble avec vous. à certains moments ce ne sera pas du clopin clopin, hein, on va carrément euh, marcher ensemble et parfois courir vers la course comme des Banjafu des héros hein, qui combattent pour leur patrie, pour leur pays, pour et même pour leur nation. Hein, la patrie, hein, le, le peuple de Guinée, le, de, de, le peuple mandjaku, c'est vraiment la richesse première que nous avons, et notamment notre langue, la langue mandjaku, 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 et je répète encore mandjaku. Voilà. C'est ça notre langue. Et je vous remercie, moi, votre serviteur. Je réponds au nom de Père Nassadio Brelebi. Et bien sûr, je répète aussi euh, notre cher technicien qui, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons le laisser vaquer à ses propres occupations. Mais en l'encourageant de continuer à être étudiant, étudiant hein, pour ce cours, il répond bien sûr au nom de Carona Baya.

Uchang berundi di mane mabuk ja karon tifana huh. Achiundi mana, nah. kakawe we. mana, nah. kafak. Achiundi mana, nah. kawet. Achiundi mana.